Ezekiel? Aujourd'hui, maman! Là, vous excuserez, maman, elle s'endort beaucoup. On a commencé à filmer tard, très tard, il est 2h d'après-midi. Aujourd'hui, là, on voulait vous montrer un update des bébés chatons. Parce que oui. Là, ils courent, ils marchent, ils sont vraiment fanants. Ils sont vraiment le fun. Marina, on dirait qu'elle a genre un look de Lady Gaga pour un show, genre avec des petites épaules, là. Donc là, aujourd'hui, on va vous montrer les bébés chatons en exclusivité sur YouTube. Oui. On fait des petites updates des chats sur TikTok et un petit peu sur Instagram. Mais vraiment évolué. Et là, ils sont pavés d'être à la nourriture solide. Dans 2 jours. À quel point ils ont évolué. Vous comprenez? Oh oui, c'est fou là. Puis elle commence à plus trop vouloir les allaiter. Elle a de la misère à s'en occuper. Ils sont tannants là. Ils sont vraiment tannants. Ils partent, genre, ils courent dans le walk-in partout. Si on ouvre la porte, ils partent dans la maison là. Oh oui. Il y en a un qui est vraiment tannant. Celui de mon cousin. Qu'on avait hâte de vous les montrer, de vous donner des updates. Oui. Il faut, parce que là, sur YouTube, ça fait un petit bout, là. Ouais, c'est ça. Donc, on va aller les chercher, on va les amener ici, puis on va les regarder courir tout en temps. On permet à Mariana et Ezekiel de jouer avec, parce qu'ils sont vraiment gentils, les enfants. Puis les chatons sont vraiment rendus dégourdis, ils n'ont plus peur de rien. C'est maman qui a amené les jouets ici. Pourquoi? On va tester, voir s'il y a les nouveaux... On va tester, voir s'il y a les jouets. Hein? On n'a pas encore testé, hein? Il est belle, regardez comment elle est fatiguée, maman, pour vrai. Oh, pas trop pauvre chouette. Non, t'es belle. Elle est vraiment fatiguée cette heure-ci, mais ça va mieux, chérie? Non, non. La fatigue va mieux. C'est le mal de cœur qui est vraiment fatigant. Là. Je suis tannée. Là. Genre, je passe mes journées du matin au soir, j'ai mal au cœur. Mais genre, pas juste un petit mal de cœur. Tout goûte pas bon. C'est dur sur le moral aussi à un moment donné. Pour le moral commence à être affecté. Je peux comme. Tu sais, on filme nos vidéos, puis je fais le minimum que je peux. Après ça, tu vas te rétendre parce que tu files pas. Là. Pour vrai, genre, je suis vraiment tannée. Là, mais, ça va un peu mieux quand même ou. Mais ça, oui, ça va mieux depuis aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment une bonne journée. Puis ça fait une couple de jours que c'est comme on and off, mais genre ça va vraiment mieux. Comme tu vois, comme une amélioration là, ça y est, tu remontes la pente, ok? Au moins. Fait que j'espère juste que ça sera pas 9 mois de même. Il y en a que ça fait ça. Vas-y, au jour le jour là. Non. Oh, elle a beaucoup d'amour. Je veux de l'amour. Non, on monte pas la bête d'Ambine. Attends, je sais pas. Pour moi, elle donne beaucoup d'amour à maman. Ça fait beaucoup de l'amour. Toi, Mariana, comment ça va ta journée jusqu'à maintenant? Ouais! Alors voici la Hide Cat. Il a fallu enlever les petits colliers, ça marchait pas pantoute. Ils s'accrochaient dedans. Ouais, c'était pas l'idéal. Puis là, mais de toute façon, ils sont tous très beaux. On n'a pas besoin de les différencier, ils sont tous beaux. Elle s'appelle, ça c'est Daisy, non, c'est Addison. Bon, attention, mais elle n'a pas trop de. Tu veux le mettre à terre tranquillement? Ah ouais, il va marcher. Regardez comment ils vont vite. Ils sont tannants, là. Ça aime ça jouer, hein. Laisse-le faire. On va les laisser tout dehors. Parce qu'ils prennent leurs griffes un peu partout, puis là on dirait qu'ils sont comme, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Tu veux jouer avec la balle? Oh! Il y a un carton de bruit. Pas grave, s'ils tombent, ils sont très flexibles. Oh, ton vrai mec, quand je dis qu'ils sont tannants, là. Non. Empêche-les, faut pas qu'il. Lui, là, il est tannant, ça n'a pas d'allure. Mais on sait pas, c'est des jeux comme ça les chats, mais les chats comme pas ça. Lui, il aime ça les poils comme Rubis. Il aime le poil comme Rubis. Il y en a un qui est caché ici. Bruce? Bruce? On a enfermé les gros chiens, les plus gros. Pour pas que ça soit trop énervé. Bruce, c'est super gentil, hein Bruce? Moi, tu peux. Attention! C'est qui ton préféré, toi, Ben? Lequel? Moi, je trouve. Change à chaque jour. Papa. Il y en a un qui s'est perché sur mon pied. Ah oui, il rentre ses griffes! Ah! Aou, 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 ici! Ah! Elle te mange. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Il est vraiment dégourdi là. Mais ça, il est pas. Non, il est vraiment meilleur que les autres, lui.
Allô? Allô? Allô, toi, t'es venu me voir? T'es venu me voir? Oui, mes curieux. Des curieux? C'est des curieux. On oh, est des gros curieux. Oui. Ah, mais il fait mal. Ah, ça sert beaucoup de leur griffe, hein? Oui, oui, oui. Il dégourdit, lui. C'est fou comment ils sont doux. Là. C'est mal à pis, ils sentent bon. Je comprends pas parce que la mère qui est là, elle a une mauvaise haleine. C'est vrai? Comment ils sont doux, doux. Ils sont fins. Ça, c'est ta préférée, celle-là? C'est Daisy, ça. Je la reconnais. C'est Daisy, ça. C'est soit que ça va être nous qui va l'avoir ou bien ma mère. Ouais. Parce que là, ma mère, elle a manifesté l'intérêt de la prendre. Fait que c'est la seule personne à qui on la donnerait, là. Ce serait ma mère, parce qu'on pourrait continuer à l'avoir. Ta mère, je pense qu'elle est allergique aux chats. Ouais. Fait qu'elle peut pas en prendre, mais ma mère, elle en veut vraiment un, mais là, c'est mon père qui veut pas. Je sais pas pourquoi. Il est en train de le convaincre. Fait que c'est soit qu'elle reste ici, elle, ou bien elle s'en va chez ma mère. Daisy, qui est belle, Daisy, tu ressembles à Nala, 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 Nala. Elle ressemble beaucoup à Ruby, je trouve, elle. Ouais, elle ressemble beaucoup à sa mère. Ben, elle ressemble toutes, là. Bro, c'est super gentil avec eux. Faut juste pas qu'il lève la patte. Les égales, c'est laver les dents, donc voilà ce que ça donne. Oh! Est-ce? Oh, t'en as deux, Ben! Oui! Non! Prends trois! Faut juste être doux, c'est ça l'important. Tu garderais-tu toutes à la maison? Oh! Elle a dit, moi aussi, je vais me faire prendre! Bon, t'as une mousse sur le bord de la bouche. Moi aussi! Oh non! Ben, elle est rapide, trop doux! Ils vont être greffiers, ils vont se retenir avec leurs pattes, là. Ça se fait que ça pince, faut pas paniquer. Oh! Oh! C'est mon préféré, c'est pas mon préféré. Oh. Regardez pas! Ils te font pas mal? Ils sont doux, là, c'est capotant. Parce que son linge. T'as du linge, ouais. Des papillons. Des papillons, il est beau, ça? C'est beau, ton linge? En plus, ça brille dans le visage. Ézéchiel l'a maquillé. Ézéchiel l'a maquillé ce matin. Montre ton beau maquillage. C'est Mariana qui s'est maquillée. Mariana, regarde-moi, montre ton maquillage. Fais les beaux yeux à la télé. Waouh! Elle s'est maquillée ce matin. Beau clown! Attention, Ben. Ma chambre. Dans ta chambre? Non, dans mon garde-robe à elle. Dans ton garde-robe ou dans mon garde-robe? À mon garde-robe aussi, moi aussi. Ah, t'as un garde-robe toi aussi? Attends, là, ils sont toutes là. 1, 2, 3, 4. Il en manque un. Chérie, t'en as-tu un? 1, 2, 3, 4. Il y en a un qui est là-bas. 5. Ah, oh, il est avec Bruce! Allô? Allô? Oh non, il y en a qui ça veut voir! Assisez-vous-là! Aïe, aïe, donc, je me suis pété la tête! Niaise! Oh, maman! C'est pas facile ce jour-ci, maman. J'aurais pas de la gueule parce que dans une, elle est vraiment fatiguée. Mais non, c'était pour un TikTok que j'ai fait tantôt. Il est 10h, mon amour, c'est pour ça que t'es fatiguée. Et Bruce, pendant ce temps-là, pense que c'est lui qui se prend en photo. Si c'est beau! C'est des beaux souvenirs. Mais allez, bientôt, on les aura plus, les enfants. Oh. Ok, attends, chérie. Attention. 1, 2, 3, go! C'est parti! Wouh! Wouh! Ah, c'est lui qui a gagné. Oh, deuxième position! Ouais! Ils n'ont pas compris. Eux, je crois que ça continue. C'est vous, t'as gagné. T'as gagné, toi. T'as alors, gagné. Alors là, on fait le thumbnail. Il se ressemblait à ça, le thumbnail. Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est tellement cute! Oh pour les gens, on va s'ennuyer d'eux autres, là. Ils s'en vont bientôt. Nos gros tannins sont rendus tellement le fun, là. Oh, c'est tellement compétent de faire ça, là. Ah, je me lève. Ah, j'essaie de juste laisser ta face, là, dedans. C'est tellement doux, oh mon dieu! On fait comme ça. Tu mets le nez genre dedans leur poil là. On est comme. Oh là. Oh! Il m'a pogné. Regardez ça, il griffe après ça. Regarde, il est là. Lui, on les voit mieux, le gars. Oh oui, ben oui. Ça, on sont pas tous au même stade. C'est des lions. C'est ça qui est plate, c'est que là, ils sont rendus le fun. Puis ça va être le temps de leur dire adieu bientôt. Pour la plupart, il y en a un qu'on va continuer à voir. Daisy qui est. Il y en a un là-dessus, la boule. Je sais pas c'est qui. Daisy est là. Oui, Daisy va rester, mais les autres, ils vont tous partir. Dans des bonnes familles, par exemple. On est content. Mais il reste combien de temps, dans le fond, qu'on les a en maison? Un mois. Un mois, match. Ouais, il nous reste un mois avec eux. Il nous reste encore un bon mois.
un beau mois. Mm. Puis à ce qu'il paraît, ma mère arrête pas de me dire que je vais avoir hâte qu'ils partent parce que ça va être l'entretien. Mm. Ben, on va les laisser. Là, c'est parce que c'était pour la vidéo, là. Mais habituellement, on les laisse pas se promener comme ça dans la maison. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Comme gêné. Comme gêné, ça. Donc, on les laisse se promener dans la maison, mais sinon, pour la plupart du temps, pour 99% du temps, ils vont être dans le garde-robe à Priscilla. Fait que même quand ils vont commencer à faire des pipis et des caca, ça ira jamais plus loin que le garde-robe. Ils vont tout le temps rester dans le garde-robe à Priscilla. Là, des fois, ils vont dans mon linge, tu sais. Ouais, là, ils commencent à vraiment se promener. Ils se promènent partout, là. Hey, Bruce, il est drôle, là. Il est fin, c'est juste, il veut jouer, il est juste fin, il est pas... Allez, il est là. J'ai pas peur. Tu les aimes? Il est curieux, hein? Oh. Wesh! Ah, non, tu pues la bouche, ah, il pue, c'est écœurant. Hey, il mord le doigt, lui! Hein? Ow! T'as ça, t'en as un en dessous du coude. Bro, c'est trop intense. Regardez, j'ai un nouveau minou ici. Regardez, un petit minou qui s'est ajouté à la famille. Il est content, il veut juste avoir de l'attention. Bro, tâche-toi, là. C'est pas à propos de toi, la vidéo, là. T'as eu ton moment de gloire. Il y a une vidéo pour toi, là. Mais non, c'est pas vrai. Bon, bro, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Bruce? T'as le nom de la linge? Ça pue, c'est cœur, ça sent une poubelle. Ah! C'est que là, il faut que j'aille au vétérinaire. Parce que ouais, c'est ça, il y a des dents pourries. Il y a des dents, non, mais il a pas encore perdu toutes ses dents de bébé, puis il y a ses dents adultes qui ont poussé par. Avec ses dents de bébé. Attends, ils ont l'air de vouloir allaiter sur Bruce, il cherche, il n'y a pas des tétines. Bruce, tu vas faire allaiter? Ah, c'est ça, Bruce, qu'est-ce que tu expliqué sur Bruce? C'est des problèmes de dents, Bruce. Il y a deux dents qui poussent dans le palais. Ça va pas bien sa bouche, ça marche pas là. Il y a comme deux canines doubles, fait que va falloir que je l'amène au vétérinaire qui va se faire probablement genre opérer parce que... Il y a des problèmes de dentition depuis toujours. C'était un petit chiot de 2 mois. 3 mois quand on l'a eu? 2 mois? C'est le calage? Mais il était bébé. 2 mois. Parce qu'il puait déjà de la bouche. 3 mois je pense que les chiens qu'on les a. Il est beaucoup bécoteux en plus malheureusement. Ah. Il aime bien se donner des bisous là. Ces bisous, ils sentent les poubelles de cuisine. Là. Pas juste des poubelles. Pas de dégueulasse. Ça sent pas récupération. Là. Ça sent les poubelles. Tiens, il donne des bisous. Là. Allô, Bruce, tu vas-tu voir tes amis? Pas chien? Tu vas voir les amis? T'es un bon chien, Bruce. Oh. T'es un bon chien. T'es fin avec la famille. Peu importe la race. On les accepte dans la famille. On s'en fout de la race. Hum, Bruce? Bout du content, Bruce? T'es content? T'es content quand on dit que t'es gentil? T'es-tu content d'être un bon garçon? Il est fin, il est doux. Fin, oui, il est vraiment, fin. Vraiment pas colérique, là, genre... Non, il n'y a aucune malice. Aucun de nos chiens. Jamais j'ai vu une dent sortir, là. Ça va pas très bien la bouche, hein, Bruce? Ça va pas la bouche? Ça va pas du tout? J'aime pas sentir mon haleine non plus. Tout goûte la même chose, tout goûte la merde. Bon, les gars, les curieux, là. Non, mais ils reviennent nous voir. Ils sont vraiment sociables. Ils sont super sociables. Pour vrai, je suis content pour les familles qui vont les avoir. C'est des bonnes familles, puis ils vont être vraiment des bons chats parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués avec des chiens, des enfants. C'est vraiment des bons chatons. Mais ils ont des bons parents. Ils sont bien élevés. Allô? Ah, tu t'es changé. Ah, c'est beau. Pourquoi tu t'es changé? Parce que c'était... Pourquoi? T'avais envie de te changer? Oui. Tu te changes combien de fois par jour? 4, 5 fois? Oui. On a fini? On a fini déjà? Oui. On a fini. On a fini la vidéo? Oui. Non, je veux encore. Tu veux jouer encore avec eux? Oh. Ils te reconnaissent, ils te regardent. Oh! Bruce, donne-tu un bec? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Bruce? Genre. Tu les aimes toi aussi, les minous? Oui. Et les revoilà dans la hype 4. Ils sont toutes là, 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a qui s'enfuient. Bon, ça recommence à s'enfuir déjà, pauvre Ruby. Maintenant, chérie, c'est le temps des... Chalon! Elle se prend des petites... J'explique toute ta vie, là. Elle se prend des petites mentos pour avoir comme pas meilleure haleine, mais avoir un autre goût dans la bouche. Là. Parce que sinon, je me brosse les dents, ça l'aide, mais à un moment donné, là... Il y a comme un goût bizarre qui revient tout le temps. Les femmes enceintes, ça fait tout le temps ça. Ben, pas tout le temps, ça fait ça. Toi, mais... ça fait ça, en tout cas. Moi, je veux dire, c'est commun à ouais, les femmes enceintes. Mon Charlotte va à Valérie25 qui dit « Quelle belle photo remplie d'amour. J'espère que vous allez bien et que Priscilla et le bébé aussi vont bien. » Ça va très bien. Ça va bien. Et moi, mon Charlotte va à Stéphanie Laoua qui dit « En dessous d'une de mes photos, justement, Instagram. Tu es tellement belle. Ma mère a commencé à vous suivre et c'est là que j'ai vraiment accroché à ton message. »
Parce que moi et ma soeur, on parlait toujours de vous. Dommage. Vous êtes la best famille. Hashtag Team V. C'est drôle, ben c'est vraiment comme cool message. Parce qu'on reçoit souvent, souvent des messages que vos parents ont commencé à nous écouter, écouter nos vidéos à cause de vous. Puis je trouve ça tellement le fun. Les enfants, les parents, oui, c'est tellement cool. C'est comme un privilège pour nous. Puis souvent, mettons, on vous voit, puis là, genre. Vous êtes, mettons, les jeunes, ils nous reconnaissent en premier ou quoi. Puis là, après ça, genre, maman, allez voir, hey, ma mère, elle aimerait ça te voir. Ça fait, ça l'arrive vraiment. C'est vraiment le fun, pour vrai, là, c'est vraiment cool. J'en ai vu de même 3 générations. Ah, pour vrai? Ça, j'ai pas vu ça, moi. Oui, avec les grands-parents? Oui. Ah, c'est tellement cool. J'étais comme, oh my god, c'est trop cool. Fait qu'en tout cas, on est vraiment, on se rend vraiment chanceux de vous avoir. Vraiment. De faire partie de la Team V, puis. Vous êtes la plus. Hot des gangs, vous êtes vraiment cool. Sérieux, merci c'est beaucoup. Vraiment sincère, là, on dit pas ça. Vrai, mais non, pour vrai, oui, c'est vrai. C'est pas genre on dit pas ça parce que ah, c'est vendeur de dire ça à ta communauté. Non. On vous aime vraiment, puis on est vraiment reconnaissants, vous êtes vraiment les best tout le temps. Vous êtes super polis, vous êtes super le fun. Vous êtes, sérieux, oui. Je sais pas, vous êtes vraiment cool, on est vraiment content de vous avoir. On espère que vous avez aimé ce petit vidéo-là, assez simple, mais c'était une update nécessaire, je pense, avec les chatons. Ben oui, ils ont changé, hein. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand on poste une nouvelle vidéo. Vous allez voir une petite cloche juste en bas ici, à côté de s'abonner. C'est comme ça pour activer la cloche. La petite cloche. Activez la cloche, on vous aime pour tout le monde. Pour faire partie de la TV. Regarde, on se voit mercredi soir, on vous aime. Bye. Bye.